Sacha. Salut. Est-ce que tu penses que tu vas gagner le prix? Je ne sais pas. Tout ça un peu varié. Je ne sais pas si je vais gagner le prix parce que la compétition est rude. Quand on voit qu'on a un Vivian, un Emmerich, enfin voilà, ce sont des personnages qui ont marqué mon aventure, qui ont marqué ma saison. Et donc je pense que la compétition est rude, mais je baisse pas les bras. En attendant, moi, tout ce que je retiens, c'est le meilleur, c'est que mes fans m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Donc même si je ne remporte pas cette victoire-là, aujourd'hui, je suis là parce qu'ils m'ont permis d'être dans les finalistes. Et être dans les finalistes, comparé à tous les candidats de télé-réalité, c'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que je les ai touchés de par mon personnage. Et franchement, c'est un honneur. Je ne le répéterai jamais assez. Okay, voilà. Est-ce que tu comptes aller dans les Anges? Bah, les Anges, comme je disais à mon ami Capu ici à côté, c'est un peu mort parce que le départ c'est samedi. Mais ouais, c'est samedi et j'ai pas été recontacté. Maintenant, comme je l'avais déjà dit, peut-être pour l'année prochaine, peut-être en milieu d'aventure, qui sait, on ne sait jamais. Ouais, des fois, il est arrivé, voilà. Mais en attendant, moi je suis maquilleur, je vais créer des chroniques maquillage, des chroniques relooking avec mon ami Ginny qui a fait la saison 6. Super. Donc, voilà, et alors du coup, je me consacre toujours autant à la musique, je vais prendre des cours de chant, prendre des cours de théâtre parce que justement je voudrais faire des chroniques aussi parfaites. Donc du coup j'ai plein de projets, mais toujours dans le même domaine, le domaine artistique. On a parlé du fait que tu voulais peut-être sortir un single. Ça serait quoi tes influences musicales clairement? Mes influences musicales, ce serait plutôt de l'acoustique avec un mélange de pop. C'est vrai que j'ai tenté le pop vraiment pur en faisant Vavavoom. Bon voilà, je me suis ramassé une raclée, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Maintenant tout ce que je retiens c'est le positif. Ça veut dire que maintenant au moins en ayant fait ce morceau là, je sais que je dois changer de registre et je dois vraiment me concentrer sur quelque chose qui peut m'apporter à aller de l'avant. Comme de l'acoustique, j'adore chanter à côté d'un piano, j'adore chanter sous un son de guitare. Donc franchement je vais me concentrer là-dessus et je ne baisse pas les bras parce que je connais mes talents sans aucune prétention. Et c'est pas parce qu'il y a eu une erreur technique sur le plateau du Mac que ça fait de moi un mauvais chanteur. Mais c'est vrai. Et comme j'ai dit, il faut croire en soi et il ne faut jamais repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en attendant, Vavavoom régnera toujours dans mon cœur et dans le cœur de mes fans. Et je ne suis pas encore parti parce que j'ai beaucoup de projets. Et plein de gros bisous. À bientôt. À bientôt, ciao ciao.